Bonjour, c'est Clément Chabert du magasin Au Vieux Campeur à Albertville. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la manipulation qui permet de connaître la version logicielle qui est installée sur votre montre Coros Vertix 1 et Coros Vertix 2. J'ai reçu un appel téléphonique d'un client ce matin qui cherchait à connaître la version logicielle qui était installée sur sa montre Vertix et qui n'arrivait pas à trouver l'information. Alors pour répondre à ce monsieur, la manipulation elle est assez simple. Depuis l'écran d'accueil de votre montre, vous faites un appui bref sur le bouton du milieu côté droit, sur la molette. Vous allez venir ensuite chercher la rubrique Système. Et dans la rubrique Système, vous allez venir vous mettre sur l'encart qui s'appelle Paramètres Plus. Et sur l'encart qui s'appelle Paramètres Plus, vous allez venir vous mettre sur la rubrique qui s'appelle Info d'appareil. À chaque fois, on valide en appuyant sur la petite molette. Et là, vous voyez, donc, on voit mon identifiant appareil. Donc là, c'est le numéro de série de ma montre. Et là, on voit enfin la version logicielle qui est installée sur ma montre. On voit que donc la version logicielle installée est la version V2.1. 60 par exemple, hein, il faut savoir que depuis le 20 janvier, la version V2.63 est disponible pour les montres Vertix Coros. Donc, il faudrait dans l'idéal qu'aujourd'hui, au mois d'avril 2022, vous ayez sur votre montre la version logicielle V2.63. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Encore une fois, hein, il est important de connaître la version logicielle qui est installée sur sa montre. De nombreuses mises à jour sont disponibles et sont mises en ligne par Coros. Pensez donc bien à mettre à jour votre montre pour pouvoir bénéficier des dernières fonctionnalités de votre Vertix. À bientôt.